Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Ce soir, on va faire une petite vidéo sur comment transformer une micro-SIM en SIM et une SIM en micro-SIM. C'est assez tiré par les cheveux, mais vous allez voir, c'est terrible. Transformer une SIM en micro-SIM, une micro-SIM en SIM, pourquoi? Alors, transformer une SIM en micro-SIM, éventuellement, si vous avez acheté une iPad 3G ou un iPhone 4 et que vous avez une SIM de votre ancien téléphone ou d'une clé 3G que vous voulez mettre à l'intérieur, puisque ça ne fonctionne qu'avec des micro-SIM. Transformer une micro-SIM en SIM, pourquoi? Tout simplement, si vous avez un iPhone 4 et que vous achetez un BlackBerry. À ce moment-là, il vous faut donc un adaptateur pour transformer votre carte micro-SIM de votre iPhone et la mettre enfin dans votre BlackBerry. Alors, pourquoi on fait ceci? On est ici avec Gauthier sur son petit MacBook Pro, là, machin tout mignon. Donc, ceci est le BlackBerry de Gauthier. C'est un Bold, c'est ça? 9700. Et putain, pour une fois que je me plante pas dans la référence. Et ici, c'est donc mon petit iPhone 4 avec sa carte micro-SIM d'origine. Donc, c'est assez carré. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ce superbe petit accessoire de chez Mavit, c'est une petite agrafeuse avec ici des petits adaptateurs. Alors l'agrafeuse va servir à quoi? À venir découper la carte SIM du BlackBerry de Gauthier pour qu'il puisse la transformer en micro SIM et la mettre dans l'iPhone. Et ensuite ici dessus on a tout simplement les... Mais t'as rien à faire, tu vas tenir la caméra. Hop, voilà, c'est terrible. Et donc ça tremble beaucoup parce que Gauthier est un peu tétraplégique. Et donc ensuite on va venir avec les adaptateurs rallonger. Alors c'est du vrai déballage, on n'a jamais fait ça. Quelle couleur vous préférez? Vert, bleu? Moi je préfère vert, comme ça collera avec le presque côté écolo. Et donc c'est super technique, vous allez vous rendre compte. On a un cache, on a une carte SIM. Il suffit de mettre la carte SIM dedans. Ça se clipse super mal. Super bien, mal, bien. J'hésite encore entre les deux termes, mal et bien. Si il faut vraiment y appuyer comme un connard et hop, vous avez une carte SIM. Donc ça va, vous avez suivi, c'est vraiment facile. Pour faire la carte micro SIM, vous venez donc tout simplement mettre votre carte SIM ici dedans et ça va vous la découper. Alors Gauthier, on va revenir dans 2 secondes, on va laisser Gauthier enlever son truc, je suis pas encore super familier avec ces petits BlackBerry, et on va tout simplement découper avec cette petite bestiole la carte SIM afin d'en faire une micro SIM. Il y en a deux qui suivent, c'est pas terrible, va falloir prendre des notes les mecs. Donc on a notre petite agrafe, on a notre petite carte SIM ici et c'est tout con. Alors regardez, il y a un petit logo dessus avec le petit détrompeur, etc. Vous mettez votre carte SIM dans ce sens et elle va ressortir dans ce sens. C'est super simple. Donc notre carte SIM ici, chute à l'arrière Jean-René. Alors la carte SIM est donc tombée sous le bureau, c'est une chance que j'ai fait le ménage. On va venir donc mettre notre carte ici dedans, vous voyez une petite fente là. On insère la petite carte SIM dans la petite fente et il n'y a pas de place pour vous planter. Vous voyez une fois dessous, c'est bien en place, c'est embuté, il n'y a pas d'erreur. Et là, on vient foutre un grand coup d'agrafe dans la gueule. Talent. Et on se retrouve avec une micro SIM. C'est vraiment bien fait, leur merde. C'est franchement bien fait. Sauf que, là où je me dis que ça risque d'être marrant, c'est que la carte SIM de Gauthier, comme vous le voyez, est quand même nettement plus grosse que ma carte SIM à moi. C'est-à-dire que ta puce, tu vois, elle prend quand même pas mal de taille. Donc je sais pas si ça change quelque chose ou pas. Toujours est-il que cette carte SIM va aller dans le petit Nifon qui est ici. Clac, dans la petite fente, comme d'habitude. Et c'est tout con. Alors ensuite, vous venez normalement retirer, c'est déjà fait, votre truc ici. C'est un petit accessoire, un SIM cutter de chez Mavit. Switch your SIM card into a micro SIM. Et évidemment, il y a les petits adaptateurs si vous voulez faire un marche arrière par la suite et revenir sur une carte SIM normale. Pour fonctionner, ça coûte Gauthier 35 €, c'est ça? On l'a acheté chez Youcast à Grenoble et ça fonctionne, vous venez de le voir, super bien. Pour un petit test, c'était assez concluant. C'était Locan également pour Locan.fr avec une petite transformation de SIM vers micro SIM, de micro SIM vers SIM très rapide pour 35 € chez Mavit, donc un SIM cutter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.